On se retrouve dans cette vidéo compile pour Far Cry New Dawn et la recherche et la localisation des 10 lecteurs MP3. Alors au-delà de savoir où ils se trouvent sur la map, il se trouve qu'à chaque fois il y a des mini-énigmes, c'est-à-dire qu'il vous faut une clé pour rentrer dans une pièce où vous avez le lecteur MP3. Tout de suite on regarde ça en vidéo, les 10 lecteurs MP3 du jeu. Cette maison est sympa, dis donc. Je peux passer par là, non. Ah, j'ai pas vu, il y avait un lecteur MP3. Non, j'ai pas vu où est-ce que c'est. Je vais explorer tous les recoins de la région avant de mourir. Papa me disait que j'étais trop confiant. Mais jusque là, tout ça très bien. Tout va bien se terminer. Comme dans les histoires qui se passent. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est énorme. Ça vous aidera toujours. Non, mais... Papa me disait que pas très bien. Hein. Jusque-là, ah d'accord, oui. J'y vais trop soft en fait. Bien fait de déverrouiller le chalumeau, hein. Voilà, le dernier bois des braderies à notre pièce. Audiophile, mission Alex. Nouvelle chanson débloquée pour la radio suivante. D'accord, il y a des lecteurs à choper, il y en a 10. Et donc là c'est le premier et on l'a chopé au niveau du bois des Bradbury. On a également chopé les quatre adhésifs. Allez, second lecteur MP3. Il est invisiblement pas très loin d'où on était. On a acheté nos cartes. Les bonnes vieilles habitudes au passage. Donc, visiblement on est près d'un lac. Bon, c'est pas mal les lecteurs MP3, quand on arrive à proximité on les entend. Salut mes chéris, vous avez des beaux bras musclés, vous voulez passer un bon moment avec ce merveilleux spécimen de la race humaine, alors faites le tour et grimpez, j'ai très envie d'admirer vos impressionnants biceps, j'ai même quelques chansons sur un lecteur MP3 pour l'ambiance. Et... alors comment on accède à ça? On aurait pu sauter dans l'eau mais bon. Je vais voir ça proprement. Oui. Mais on dirait que j'ai un bug de Sahel, etc. Et voilà. C'est la deuxième que l'on trouve. C'est ici. Donc là c'est le début du jeu. Et là vous avez deux avant-postes. Troisième lecteur MP3. Alors, on est près du garage clandestin. Nous sommes à Vallon de Big Mike. Je peux l'entendre. Hop. Plus souvent.
On va rechecker à l'extérieur pour que vous puissiez voir un petit peu où ça se situe. Vous avez un silo rouge avec un drapeau qui est pas très loin au final. Et une cabane, et en fait la trappe se situe entre les deux. Voilà pour le troisième lecteur MP3. Quatrième lecteur MP3, alors on continue de se déplacer sur la droite par rapport à la position du troisième. Alors ici il y a une usine, il y aura une photo. Et nous sommes au Toti des Fillmore. Je vais bouger, couvrez-moi ! Là-bas, attention ! Ah, ça a l'air d'être enfoui. Attention, des serpents. On a la présence d'une trappe. Putain, je l'avais même pas vu. Alors, en terre de refaire, vous avez une maison qui a cramé qui est juste en face, puis une voiture, et enfin la trappe. Complètement passé à côté, Olivier. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu nuit, ça aide pas forcément. On est habitué, on se retrouve en espèce de petit bunker, enterré. Plein de choses de sympa à choper. Pas de coffre par contre. Col du Torboyau. Alors ici nous avons un lecteur MP3 et nous avons également 4 engrenages à trouver. Alors ça se présente sous la forme d'une maison qui a été ensevelie comme beaucoup de maisons dans le coin. On peut voir qu'en se rapprochant on entend la musique, ce qui est plutôt bon signe. Mini mécanisme, un peu de lecture. Qu'est-ce qu'on nous dit? Page gribouillée. Merde, je suis revenu là pour me rappeler les bons moments et j'ai trouvé une putain de mouflette dans les chambres. Une mouflette, je me suis fait asperger la gueule, mais je crois que j'ai réussi à l'enfermer. Pourvu qu'elle crève de faim. Et merde, j'ai perdu la clé en me débattant. Bon bah voilà, je risque plus de trouver quoi que ce soit. Ah. Troisième est là. J'ai l'impression que la clé était posée là-dessus. C'est la clé. Est-ce qu'on a le temps? Attention, on risque d'y avoir une fête. Ah, quatrième. Mécanisme. Oh, le lecteur MP3, je croyais que c'était là-dedans. J'avais même pas vu que c'était ici. Donc voilà. Par contre, je suis déçu, il n'y a pas de. Pas de mouflette. Hein. Donc voilà, cinquième lecteur MP3. Et col du Torboyau. Lieu. C'est le 17ème. Sixième lecteur MP3, alors cette fois-ci on se situe juste au-dessus de l'avant-poste Bois Sacré, au milieu de la montagne. Il est juste en fait à donner un petit coup d'arme au corps à corps. Avec une arme, ça fonctionne. Voilà, on est juste ici, visiblement. Il y a un lieu à pied qui s'appelle Sanctuaire des Stènes. Encore une fois, prenez Bois Sacré comme point de référence. Voilà, j'ai fait le ménage. Donc la trappe était ici, et vous avez une grande maison juste en face. Septième lecteur MP3, direction tombeau aquatique. Alors on s'est encore éloigné, on est encore plus au nord par rapport au Bois Sacré. On commence à être presque au milieu de la map, que ce soit en hauteur mais également en largeur. On voit qu'il y a un petit peu d'espace à gauche et à droite. Et on est effectivement près d'un point d'eau et d'un pont.
Alors il y a également 4 mécanismes à choper dans cette zone. On entend la musique sur notre droite quand on arrive. Mécanisme. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose dans le... Une clé. À mon avis, il y a une porte qui est fermée à clé. Voilà, tombeau aquatique, on a les 4 pieds. Là, la clé nous permet d'arriver. Un coffre. Non, j'hallucine. Ah, j'aime bien les animaux, mais là. La machine T3, de la peau, du cuir. J'ai connu pire. Pas mal de matos hein, ici. Contre le renard était pas prévu. Voilà, tombeau aquatique. 7ème MP3, il nous en reste 3. Lecteur MP3 numéro 8. Alors on est juste à côté d'un avant-poste point d'eau. Ici. Et ça s'appelle Baraquement oublié. Il y a également 3 caisses à récupérer dans la zone. Alors, la base est là, on va plutôt décider. Attention, on va laisser des ours parce que sinon on va pas finir. Juste faire attention qu'ils ne mangent pas. Deuxième. Voilà, on a les 3 caisses. Okay. Faut vraiment faire attention aux petits ronds blancs creux. Chaque fois, nous y mettre les clés. Voilà, notre lecteur MP3. Petite lettre. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Mot d'adieu. Si vous trouvez ce mot, c'est que je suis parti. J'aime toujours le père, mais je ne peux pas rester. Il a eu une femme avant moi et un enfant. Je pense que les rumeurs sont vraies. Je n'y croyais pas avant, mais il a une nouvelle faith et ça me fait peur. Si vous avez des enfants, vous comprendrez. Ça me brise le cœur de partir. Je ne vous oublierai jamais. Vous êtes ma famille. Si je pars, c'est pour le bien du bébé. Je l'appellerai Ethan pour qu'il soit fort et solide quand l'effondrement aura lieu. Je vous embrasse. Megan. Alors il se trouve qu'on a entendu qu'un certain Ethan aurait pris les rênes de notre grand méchant. Alors est-ce que c'est le même? Je pense pas que ce soit le hasard. Donc voilà, apparemment, une fois on est plutôt au milieu de la map. Et plutôt sur la map. 9ème et avant dernier lecteur MP3. Alors en point de référence, nous avons la réserve de la bus pas très loin, l'avant-poste boss sacré est assez éloigné, également le point d'eau, et le lieu s'appelle chez Sergueï. Ça se situe plutôt au milieu de la map. Pensez à des wagons de train en fait qui ont été complètement ensevelis. Alors il y a également des ressorts, ils sont au nombre de 3. Qu'est-ce que ça nous dit? Ces ravageurs et leurs voitures et leurs armes, je crois qu'ils peuvent se servir comme ils le veulent. Si cette lèche-botte se pointe encore, on verra s'ils arrivent à entrer dans ma cachette. Je suis prêt à parier qu'ils verront jamais ce qui va se souvenir. Lecteur MP3 est pas loin. Voilà, c'est le 9ème. Ah, je n'avais pas vu, il y avait une voie de chemin de fer. Il nous en reste plus qu'un. Tiens le bon bout. 10ème et dernier lecteur MP3, direction souvenir de Frostbisher. Alors, on est à côté de ce qui semble être un avant-poste ici. Sinon, il y a un déplacement rapide disponible au niveau de la mine du poumon noir. Et il y a un autre avant-poste ici, Forge brisée. Donc là, c'est le début de l'aventure. Et donc, nous sommes ici.
Alors cas particulier, quand on spot l'endroit du lecteur MP3, on se retrouve en haut de la montagne. Pour ça, il faut plutôt s'attaquer au flanc de la montagne et jusqu'à temps d'arriver là où il y a une grotte. Voilà, donc attaquez-le par ici, prenez la route et prenez à la perpendiculaire. Je pense qu'on va tomber sur notre lecteur. J'ai mis les serpents. J'entends la musique. D'accord, il va falloir grimper. Qu'est-ce que ça nous dit? Je déteste ma mère, je lui ai dit de me donner plus à manger si elle voulait que... Non, si... Elle voulait pas le regretter, mais elle s'est quand même gardé une assiette pour elle. Alors j'ai pris toutes ses affaires, je me suis enfui dans les bois et maintenant je vis dans une grotte et j'aurai plus jamais rien à partager. J'ai même pris sa musique. Bien fait pour ta gueule, maman. Il a beaucoup ça derrière lui, hein. Alors par contre, il vous faut pour ça le grappin. Donc le grappin qui, je le répète, parce que je l'ai déjà vu en début de l'aventure, il vous faut débloquer ce talent ici. Ça peut pas forcément beaucoup de points d'XP. Et voilà. Audiophile terminé. C'est également le nom de l'émission. Commence en fait dès qu'on a le premier lecteur MP3. Défi terminé, amateur de musique. Et en plus ça nous rapporte 5 points d'expérience, c'est plutôt pas mal.